Notre système de retraite présente de réelles qualités, mais il est difficile à comprendre, pour les actifs comme pour les retraités. Savez-vous que notre système est géré par 42 organismes différents, qu'on appelle les caisses ou les régimes de retraite, et que chacun possède son propre mode de calcul de la retraite? Pas facile de s'y retrouver, surtout si on change de métier ou de statut au cours de sa carrière. La complexité devient aussi un problème si elle nous conduit à douter de la solidité du système. La mise en place d'un système universel de retraite, c'est le choix d'une retraite plus simple, avec une pension unique pour chacun d'entre nous, qui prend en compte toute la carrière et les événements de vie. C'est le choix d'une retraite plus juste, avec des règles communes de retraite, que l'on soit salarié, fonctionnaire, artisan, commerçant, profession libérale, agriculteur ou relevant d'un statut particulier. C'est le choix d'une retraite solidaire, celui d'une solidarité entre les actifs et les retraités, où les cotisations des actifs servent à payer les pensions des retraités. C'est le choix d'une retraite plus solide, fondée sur la solidarité entre tous les actifs. La réforme de notre système de retraite nous concerne tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur réforme-retraite.gouv.fr.